la mise en œuvre, on a ce qu'on appelle nous une navette. La première navette, elle est passée par la caméra. La première chose que l'on fait quand on arrive sur un chantier, on fait un curage et après on passe une caméra robotisée qui va tirer une corde. C'est la première navette. Cette corde, elle va chercher le câble du treuil, on ramène le treuil. Le treuil va tirer la gaine. Dans la gaine, on va retrouver ça pour retirer une deuxième corde qui va venir chercher le train de lampe, qui va retirer une corde pour venir chercher la... Et donc, on a une dizaine d'allers-retours sur cette navette. Et il ne faut jamais perdre la navette. Là, on voit la sortie du train de lampe, là, si vous voulez voir. On trouve deux bandes de traction, je reviendrai sur les bandes de traction après, et la gaine proprement dite. Quand on va venir tirer la gaine, la tracter la gaine à l'intérieur du tuyau, pour pas qu'elle se défasse, qu'elle se délite, on a ces deux bandes de traction. On vient les prendre au moment du gonflage dans les obturateurs pour que la pression ne défasse pas la gaine. Après, on a nos différentes couches de fibres de verre imprégnées de résine. Et avec la pression, la pression exercée sur les couches pour venir faire fusionner les couches lors de la polymérisation. Et on a une dernière couche, c'est ce polyane. C'est lui qui va permettre de mettre la gaine sous pression, qui va assurer l'étanchéité à l'air le temps de la mise en œuvre et qui va empêcher l'air d'aller migrer surtout à travers les couches de résine. Donc ce film, on le retire à la fin de la pose.